Morgan, allez, Yidan, les Suisses, aujourd'hui, les Lunichmat, Abraham, Chayn, Robert, Ben, Fortuné, Mazal, Rachamim, Benoza, et Yedida, Ben, Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider, les prochaines études de Mishnah, contactez la Sainte Unité Éternelle. Nous étudions Erchin, Perektet, Mishnah, Gimel. Amocher, Baïd, Bebate, Arechoma, Areze, Goel, Miyad, Ve, Goel, Kol, Shnemasar, Chodesh, Areze, Kemin, Ribit, Ven, Aribit. Met Amocher, Igal, Beno. Met Alokeach, Igal, Miyad, Beno. Et non, Monelo, Shana, et la Misha'a, Shemacharlo. שנאמר עד מלות לו שנה תמימה וכשהוא אומר תמימה להביא חודש העיבור רבי אומר ייתן לו שנה ועיבורה. Pour rappel, dans le Perek Tet, on traite des différentes ventes de biens immobiliers que la Torah a donné selon le cas. Elle a donné plusieurs droits au vendeur de le racheter. On a parlé dans les deux premières Mishnayot du Sde Achuza, du champ que l'on a reçu en héritage. Et les champs qu'on a reçus en héritage, alors ils reviennent tous les 50 ans, ils reviennent, et la Torah a même donné des droits. Lorsque tu vends ton champ, tu peux le récupérer pendant les 2 années. Après 2 années, tu pourras les récupérer en payant le reste. Maintenant, on va aborder dans notre Mishnah un tout autre sujet, alors le même principe, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on va appeler les Baté Arechoma, une maison dans les villes fortifiées. Alors là, les règles, elles sont complètement différentes. D'abord, lorsqu'on a hérité d'Eretz Israël, il y avait certaines villes fortifiées que les tribus ont hérité, selon le cas. Et là, les règles changent. Dans la mesure où, lorsqu'on a une maison qu'on va la vendre, elle ne reviendra plus au Yovel. On va juste avoir 1 an pour la racheter, et passer l'année, c'est fini. Ça va rester maintenant chez le vendeur. Et lorsque le vendeur voudra de nouveau la vendre lui aussi, eh bien, il aura de nouveau 1 an, même si ça n'a pas été la parcelle de ses ancêtres. D'accord ? Ça, c'est explicite dans Vaïkra aussi, dans Béar. J'ai pas préparé le pasouk avant de l'ouvrir le livre, donc si je peux tout de suite, je vous le fais. Sinon, on commence la Mishnah. Exactement, je suis tombé dessus, Baruch Hashem. On est dans Béar, Chafhe, Chaftet. Parek Chafhe et pasouk Chaftet, c'est le début de l'Aliya du Chamishin. Vishkim Kor, Bet Moshav, Ir Choma, Vaïta Geulato, Adato, Mishinat Mimkaro, Yamim, Tihye, Geulato. Et un homme, lorsqu'il vendra une maison, un Bet Moshav, Irchoma, Bet Moshav Irchoma, une maison qui se trouve dans une ville fortifiée, Vehaita Geulato, elle sera sa libération, tu pourras la racheter, la libérer, Ad Tom Shenat Mimkaro, jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Yamim Tihye Geulato, Yamim ça veut dire un an, plusieurs des jours, mais dans la Torah c'est Yemeshana Shlema. On va parler de préciser exactement combien de jours à l'année. Un an sera la période pour le racheter. Veim lo igael ad melot lo shana temima. Et s'il ne rachètera pas, il ne libérera pas son champ jusqu'à la fin de l'année entière, regardez l'insistance, shana temima. Alors dans ce cas-là, vekam abait asher ba'ir asher lo choma, la semitut la konoto le dorotav. Alors dans ce cas-là, la maison qui aura été achetée dans la ville, qui a une muraille, un petit jeu de mots, bon, on ne va pas rentrer dedans tout de suite, donc qui a une muraille, il écrit l'eau avec un lef et il faut le lire avec un vav, c'est écrit comme ça. L'eau avec un lef, ça veut dire qu'elle a une muraille. L'eau avec un lef, ça veut dire qu'elle n'a pas de muraille. En fait, c'est juste pour nous apprendre que s'il y avait une muraille qui est ensuite tombée, ça reste quand même une ville fortifiée. La Tzmitut, en tout cas, la ville qui sera là-bas, alors elle restera la Tzmitut éternellement, la Koneoto le Drotav, pour celui qui l'aura acheté pour ses générations, Lo Yetseva Yovel, elle ne ressortira plus au Yovel. Et le prochain pasouk, ce sera ce qu'on va appeler les Baté Achatserim. On en reparlera dans la prochaine Mishnayot, Bezrat Hashem. On revient pour le moment donc sur notre Mishnah, où donc on va parler des Baït Bebaté Arechoma, les maisons des villes fortifiées. Et la Mishnah m'enseigne Amocher Baït Bebaté Arechoma, celui qui va vendre une maison dans une ville fortifiée, Areze Goel Miyad. Eh bien, il pourra racheter Miyad immédiatement, Des Goel Kol Shnemasar Chodesh, et il libérera durant les 12 mois, c'est-à-dire il aura 12 mois pour racheter. La Torah, la Mishnah marque une petite pause pour nous remarquer quelque chose de très intéressant. Areze Kemin Ribit Ve'ena Ribit. Constatons donc que finalement, c'est comme du Ribit sans que ce soit du Ribit. Une petite parenthèse, et j'explique très rapidement. D'abord, Ribit, c'est le principe du prêt à intérêt. D'abord, question très simple. Imaginez que je vous prête de l'argent. Mais lorsque je vous prête de l'argent, je demande en échange de vous prendre votre champ et de l'exploiter pendant la durée du prêt. Et puis après, vous me rendez mon argent également. Ça, c'est du vrai ribit katsuts de Oraita, ou de Oraita ou de Rabbanan. Il y a des grandes discussions sur ça, mais peu importe. Il y a du vrai ribit en théorie. C'est-à-dire, je vous prête 100 000 shekels, en échange,
j'exploite votre maison pendant un an, je vis dedans, je profite, et puis après vous me rendez les 100 000 shekels et puis je vous rends votre maison. Là, j'ai transgressé du ribbit, probablement même de la Torah, parce que en plus de l'argent que je récupère en plus de ça l'utilisation d'un an d'une maison. D'accord ? Sujet très simple. Eh bien, selon ce principe, il s'avère que finalement, regardez quelque chose d'original. Lorsque la Torah me dit, tu sais, tu as vendu ta maison à 100 000. Donc, j'avais ma maison, et j'ai vendu ma maison et j'ai repris 100 000 shekels. La Torah me dit, tu sais, dans la première année, si tu veux, tu viens au bout de 8 mois même, tu rends les 100 000 et tu récupères ta maison. Mais c'est terrible ce qui se passe, parce que si je viens libérer ma maison, il s'avère finalement que ma maison que je lui ai donnée, que je lui ai vendue, finalement, j'ai annulé la vente. Or, si j'annule la vente, alors l'argent que j'ai reçu pour vendre la maison, finalement, ça est devenu de l'argent d'un prêt, que finalement, je vais lui rendre. Et pendant ce temps, lui, il aura exploité la maison pendant 8 mois. C'est du vrai ribbit de Horaïta, en théorie. Et la Mishnah enseigne que malgré tout, c'est pas du ribbit. Premièrement, parce que la Torah, elle a permis, mais même de manière plus profonde. Alors là, ça touche un sujet très délicat, en fait, ça s'appelle le tzaderchat beribbit. Je vous le dis très rapidement, tel que c'est expliqué dans le Tanora, mais on ne rallonge pas dessus. C'est un grand sujet dans Baba Messia, dans Perek Ezel Mesher. À savoir, c'est bidouk dans cette situation, que finalement, lorsque j'ai pris l'argent pour lui vendre la maison, l'argent n'est pas venu en guise de prêt. Et c'était pas sûr que ça allait devenir du ribbit. C'est juste tzad echad beribbit. C'est une éventualité de ribbit. Il y a aussi une éventualité qui n'a aucun ribbit parce que finalement, j'ai vendu la maison. Si au bout d'un an, je ne suis pas revenu racheter la maison, il s'avère que c'était une vente. Donc maintenant, il m'a donné l'argent pour acheter et maintenant, il exploite la maison en guise de sa propre maison, son achat de maison immobilier. Donc je ne l'ai pas donné, je ne suis pas en train de lui payer en guise de ribbit. Il s'avère dans ce cas-là que ça s'appelle, c'est juste que du ribbit que finalement, qu'il est en train de percevoir de moi, sans qu'au moment où il le perçoit pas en guise de ribbit. Il y a sur ça un avis, Rabbi Yehuda, qui pense que ça ne s'appelle pas du ribbit de Horaïta, ça s'appelle juste du tzadechat beribbit mutar. Chachamim pense que tzadechat beribbit assur de Horaïta, et la lacha, je crois qu'elle est fixée comme Chachamim dans le champ de l'ombre. Donc pas comme ce que la Mishnah nous enseigne en réalité. Et je crois que c'est même explicite dans le Tiferet Israël, des surélés qui Rabbi Yehuda. Uldidan de Kaïmanan tzadechat beribbit assur avec la vakribbit de Rabban. Je sais pas que c'est. D'accord, on s'arrête là, on a fini le sujet du ribbit. J'ai un petit problème, pourquoi il parle que c'est juste du avec ribbit des rabbanan. C'est un peu flou ce qu'il dit, je sais pas. En tout cas, on a expliqué c'est quoi le tzadechat beribbit, et la halakha elle est établie comme chachamim qui arrive sur le tzadechat beribbit. Entre parenthèses, c'est possible qu'il n'y ait pas du ribbit d'Horaïta, parce qu'il y a des choses que, si c'est pas sûr que ça va faire des fruits, bon, c'est tout un grand sujet dans les lois de ribbit et zéon cher. Ce n'est pas le propos de notre Mishnah. En tout cas, on revient sur Beit Bebater avec Roma, je lui vends la maison, j'ai un an pour acheter, je viens, je rachète. La Mishnah continue à m'enseigner. Met à mocher, si le vendeur maintenant il est mort, Ig al beno, le fils pourra racheter. Il pourra dans la même année, le fils héritier, il pourra s'il veut venir acheter la maison de son père. Met à lokar, si c'est l'acheteur qui est mort, eh bien Ig al miyad beno, il pourra aussi racheter du fils de l'acheteur, parce qu'il a le droit de racheter. La Mishnah continue en disant « Enomonelo shana elamisha'a shemachar lo » Il ne commencera le décompte de l'année, il ne comptera un an, qu'à partir du moment, elamisha'a, que à partir du moment où shemachar lo, il lui a vendu, à lui, à exclure. Si moi je lui vends, et au bout de 2 mois, il veut le vendre à une tierce personne, on ne va pas dire « Ah, maintenant chez le nouvel acheteur, je vais avoir un an. » Non, pas du tout. Depuis le moment où moi j'ai vendu à lui, de là, on enclenche le compte à rebours de 1 an. Comme ce qu'on va expliquer tout de suite, c'est combien d'un an exactement. Mais en tout cas, depuis le moment où j'ai vendu moi, j'ai 1 an pour acheter cette maison uniquement, même si après il l'a rendu à quelqu'un d'autre. Et la Mishnah me continue en me disant, chez Neymar, comme Dieu le verset, Admelotlo, Shannatemima, jusqu'à ce qu'il remplira pour lui 1 an plein. Pour lui, c'est venu pour t'apprendre pour lui. D'accord? Pour lui et pas selon la vente d'une autre maison. La deuxième vente que l'acheteur aura vendu à quelqu'un d'autre. Urcheu Omer Temima, et lorsque le pasuk me dit Shana Temima, une année pleine. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis une année pleine? Un an, c'est un an, on a fini. La Torah ne répète pas des mots pour rien. Qu'est-ce que tu veux apprendre quand tu me dis un an? La vie Chodesh Haibur. C'est pour t'inclure le cas où l'année, elle était bissextile, où il y avait 1 mois de plus. Que dans ce cas-là, les 12 mois deviendront 13 mois. On ne dira pas non de 12 mois uniquement. La Torah incitant en disant Shana Tmima pour te dire un an plein. Un an plein, c'est-à-dire que des fois, l'année, elle est pleine, donc tu donneras. Elle est pleine, elle a 13 mois, tu donneras aussi le 13e mois. Tel est l'avis de Tanakama.
Rabbi Omer, Rabbi enseigne, Itenelo Shana ve Ibura. Selon Rabbi, on ne va pas donner un an, des fois 12 mois, des fois 13 mois. On va constamment lui donner 365 jours. Le calendrier lunaire, c'est 354 jours. Shanad. Shinnum Dalet, la Mishnah explique que ça varie selon les années, depuis 352 jusqu'à 356, ça dépend. D'accord ? Il y a maintenant, par rapport au cycle solaire, on perd des jours, on perd 11 jours par an. Parce que le cycle solaire, c'est 365 jours, même un quart. Des fois, on récupère un certain moment. En tout cas, donc maintenant, on a une différence de 11 jours. C'est pour ça que tous les, entre les 2, 3, 11 ans, on va faire une année bissextile pour attraper ce retard. On bouche les trous, en fait. D'accord ? Et bien, selon Tanakama, alors quoi qu'il arrive, en fait, quand la Torah nous dit Shanat Mima, on est venu faire allusion à une année pleine, plus que ce qu'il faut, en considérant aussi le fait qu'il y a le calendrier solaire à considérer. Selon Tanakama, tu rajoutes un mois lorsque concrètement le Bedin a fixé que cette année, l'année allait être bissextile. Selon Rabbi Yuda, Rabbi, eh bien, non, on va donner de manière fixe 365 jours uniques pour acheter. Donc 11 jours de plus que le calendrier solaire. Et on a fini la Mishnah. Bon, c'est pas la peine de résumer, elle était assez simple. On a parlé donc du Bait de Bata al-Khoma. On a parlé des 12 mois, on a parlé de l'héritier qui peut libérer, on a parlé entre parenthèses d'un problème de ribite qui pouvait y avoir. On a expliqué c'était quoi l'année, est-ce que l'année avec l'année bissextile ou bien 365 jours. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Tzachakol Touv, c'est là.